Bonjour, je m'appelle Yusra. Bonjour, je m'appelle Loris. Bienvenue pour notre nouveau JT des petits conseillers. Le conseil municipal enfant est constitué de 30 enfants. Nous avons été élus dans les 8 écoles élémentaires de Marmande. Nous travaillons sur des projets que nous proposons ensuite au conseil municipal de Marmande. Nous avons 3 commissions, lien social, cadre de vie et communication. Dans nos prochains JT, nous allons parler de nos projets. De ce que vous pouvez faire à Marmande et de nos coups de cœur littéraires. De l'histoire marmande. Et nous rencontrerons ensuite une personnalité marmandaise. Pour notre première interview, nous avons rencontré Monsieur le maire, Daniel Benquet. Retrouvons nos envoyés spéciaux, Eva Poé et Océane. Bonjour. Pourquoi avez-vous voulu être maire ? Oh, c'est une vieille histoire. J'ai été maire parce que je suis devenu maire, pardon, parce que j'ai toujours aimé m'impliquer et essayer d'apporter des solutions aux problèmes qui se posent. Et à votre âge, peut-être un peu plus âgé, en sixième, j'étais déjà délégué de classe. Donc, c'est arrivé très tôt. Et puis ensuite, j'ai été responsable dans des associations d'étudiants. Et ensuite, dans des associations citoyennes ou politiques. Et ensuite, je suis devenu maire. Voilà. D'accord. Que pensez-vous du conseil municipal enfant ? Ah, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose et je suis retombé par hasard sur les archives d'une campagne électorale que j'avais menée en 1995, donc il y a longtemps. Et j'avais proposé à l'époque de créer un conseil municipal enfant. Donc ça a été fait par la suite. Et je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça nous permet à nous de savoir comment vous vivez dans notre ville, dans votre propre ville, mais dans la ville que nous administrons. Et ça nous permet, et il y a par exemple des dossiers que vous avez lancés qui ont été repris par le conseil des sages, par le conseil municipal, qui ont ensuite été concrétisés. Par exemple, les sacs à déjection pour les chiens, hein, les poches canines, là. Ben, c'est vous qui en avez eu l'idée, votre conseil en a eu l'idée il y a un petit moment et nous l'avons mis en place. Qu'attendez-vous du conseil municipal enfin ? Eh bien, des propositions, justement. Des propositions qui répondent à vos besoins. Nous avons déjà quitté notre regard d'enfant depuis très longtemps. On ne vous dira pas depuis combien d'années. Et nous attendons que vous nous conseilliez et que vous nous disiez où sont les problèmes et comment on peut les régler. Et si vous n'avez pas l'idée de savoir comment on peut les régler, eh bien, on vous aidera à la réflexion et on essaiera de vous apporter des propositions nous-mêmes. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, notre première interview est finie. Nous allons retrouver Yusra et Loris dans nos studios. Voilà, c'est la fin de notre premier JT. Nous vous disons au revoir. Et à bientôt.